Allez, salut à tous les amis, c'est Lantouple, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de SimCity, après une semaine. Oh yeah, je suis actuellement sur Kozung, soit la première région. Ça faisait très longtemps effectivement que j'étais pas revenu sur cette première région. Bon, j'ai pas fait beaucoup évoluer ma vie, enfin si, un petit peu. Comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à avoir quelques buildings, vous voyez, bon c'est pas les plus grands. Il y en a vraiment des beaucoup beaucoup plus hauts, comme vous avez pu le constater précédemment dans les autres vidéos en visitant les villes des viewers tout simplement. Oulala, oulala, j'ai des entreprises qui sont abandonnées, un peu d'industrie. Bon voilà, cette ville elle est plutôt pas mal, j'ai 4 millions de Sims Flu. Bon, évidemment je suis en déficit, mais je réussis à vivre de l'extraction. Donc je produis du minerai et du métal, je le transforme, du minerai et du charbon pardon, je le transforme en métal et en alliage, et puis je revends tout ça sur le marché mondial pour beaucoup beaucoup d'argent. En revanche je n'ai que 50 000 habitants, ce qui n'est pas très très élevé, mais bon c'est pas grave, on s'en sort bien. Bien sûr je ne suis pas venu pour jouer cette ville, puisque voyez-vous elle est déjà très évoluée. Non, aujourd'hui en fait je suis venu juste sur cette région pour... parce qu'on m'a demandé dans les commentaires d'aller visiter les autres villes. C'est-à-dire les villes des autres abonnés. On va aller en voir quelques-unes qui ont l'air sympas, notamment celle-ci. Mais c'est surtout aussi pour vous dire que, en ce qui concerne les vidéos de SimCity, je vais changer de format. Enfin, non, je vais pas changer de format. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter les vidéos sur les régions multijoueurs. Je vais me créer une région 16 villes en solo, juste pour moi. Je jouerai tout seul et je vous ferai des vidéos là-dessus. D'ailleurs, on va commencer aujourd'hui. Comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant parce que là, effectivement, je n'ai que 2 villes par région et ça se remplit à une vitesse mais absolument phénoménale. Et bien sûr, la place, c'est un des gros problèmes de ce jeu. Une fois que vous avez rempli votre carré, vous pouvez pas aller plus loin. Voilà. Et donc, voyez-vous, c'est un gros, gros problème. Donc j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable de créer une région solo et de vous faire un tas de villes, vraiment explorer tous les recoins du jeu, ça pourrait être vraiment intéressant. Et donc on va commencer tout de suite, surtout si j'achète en plus le DLC, peut-être, je sais pas, on verra. Donc voilà, nous sommes donc dans la ville de The Pierrot 12, qui s'appelle Nice et qui m'a l'air d'être vraiment très 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 bien optimisé. Alors on peut voir qu'il s'est un petit peu spécialisé dans l'industrie, il a beaucoup beaucoup de... Enfin, pas que dans l'industrie, mais il a des entrepôts commerciaux. Qu'est-ce qu'il a ici? Une usine de processeurs. Ouais, dans l'industrie high-tech, hein, finalement. Donc, il produit des ordinateurs, ça doit lui rapporter... Enfin, non, sûrement des processeurs. Je sais pas s'il produit des ordinateurs, mais en tout cas, il produit des processeurs. Ça doit lui rapporter bonbons. Ici, il a une station de pompage, une station d'épuration, une grosse centrale nucléaire. Ouais, bon, là-dessus, je crois qu'il a pas de problème, hein. Bon, ça doit lui revenir cher, il a même un stade. Il a que des avenues avec des trams. Ça, c'est bien optimisé, voyez-vous. Il a un réseau... Enfin, je sais pas s'il a fait le réseau de trams encore, mais... Il a un bon lycée ici, une école primaire. Ouais, il gère bien les villes. Et lui, voyez-vous, il a des gros, gros buildings que moi, je n'ai pas pour l'instant. Il a donc un casino, un stade. Ici, nous avons les résidences riches, les commerces, qui m'ont l'air d'être vraiment pas mal. Siège jeu, nous avons siège commerce. Oh, waouh, j'avais jamais vu siège commerce et siège. C'est la même chose. Ah ouais, c'est vraiment gros. Il a même l'Empire State Building. Super, qui lui rapporte vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. C'est marrant, ça rentre pile. Putain, il a géré niveau place, hein. Bravo, bravo, il a fait la technique des trains aussi, il a 2 gares. Non, c'est une ville vraiment très optimisée, comme vous pouvez le constater. 164 000 habitants, ce qui est une bonne moyenne. Et puis ça arrête pas de se développer. Franchement, je te dis bravo The Pierrot, ta ville est très optimisée. Surtout ton université aussi, parce que tu accueilles beaucoup d'étudiants. Et donc ta population doit être très qualifiée. À mon avis, on va essayer d'aller voir ça. Niveau technologique, ouais, on a 2 rouages sur 3, c'est énorme. C'est énorme, tu as beaucoup de cartes scolaires en plus. Non, franchement, tu as fait une très très bonne ville. Voilà, donc la ville de The Pierrot 12, Nice. Vraiment, superbe ville, très bien réalisée, je te félicite. Mais, voyez-vous, le problème, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin, vu que, voilà, on est toujours limité par la place. Enfin, bref, ça, c'est un autre problème. Donc, on va tout de suite...
quitté le mode observation, on va se rendre dans notre ville à présent et on va visiter encore 2-3 villes. Et puis on ira directement se lancer dans la région solo que l'on va créer ensemble. D'ailleurs, je n'ai même pas réfléchi au nom, mais de toute façon, on s'en fout vu que c'est une région privée. On va essayer de voir ça ensemble. Enfin, tout seul, mais ensemble, on va essayer de voir ça. Bref, vous m'avez compris. Et donc ça, c'est ma ville. Bah, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Hein. Moi, j'ai que des petites routes, j'ai aucune avenue. C'est sûr qu'elle n'est pas très bien optimisée. Mais justement, recommencer une région, ça va me permettre de, voilà, d'éviter de faire trop les mêmes erreurs. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On a même un aéroport international développé. Oh, c'est génial, ça! Ils ont même construit un aéroport. Attendez, il est où? Ah non, il n'y en a pas. Comment ça? Ah non, on a la possibilité de le faire, mais il n'y est pas encore, d'accord. Ok, autant pour moi. On va aller se rendre à Zuren. Ville créée par Harry 31501. Zuren, voyons voir. J'espère que ta ville, enfin en tout cas de loin, elle ressemble beaucoup à celle de The Pierrot. Voyons voir. Des buildings à perte de vue. De l'argent. Des billets dans les rues. Si seulement ça pouvait être possible. Bon. Voilà, en tout cas j'avais vraiment envie de vous proposer du coup, parce que je voyais que bon, au bout d'un moment j'avais plus de place, notamment pour ma ville avec les casinos. Donc on va en refaire une région et là on va pouvoir vraiment s'éclater et gérer plusieurs villes en même temps. Ça va être excellent. Wow, lui aussi là, l'Empire State Building. Et oh mon dieu, comment c'est pollué. Oulala. Ou alors là, c'est très pollué. La terre est marron. C'est tellement pollué que c'est marron. En tout cas, lui, il est fan des éoliennes. Il a même développé les éoliennes à axe vertical qui sont absolument énormes. Lui produit de l'énergie. Alors c'est marrant, il produit de l'énergie propre sur un sol ultra pollué. C'est ça qui est assez drôle. Voyez-vous, parce que tout le bas de la carte est noir. C'est noir, c'est noir. Non, ça donne un style. Et puis sa ville, elle est jolie aussi. C'est marrant parce qu'il a fait plein de carrés où dans chaque carré, en fait, il y a un building. C'est marrant. Vous avez vu ça? Dans chaque carré, il y a un building. Et il a 153 000 habitants. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une compagnie d'assurance, je suppose. Ouais, il a quelques monuments. Non, c'est une belle ville aussi, elle est bien optimisée. Joue un petit peu sur le tourisme. Ouais, il a de beaux gros, de beaux buildings commerciaux, 3 gares. Bon, lui, par contre, il a pas fait la technique de la gare. Il a un grand commissariat, une petite station de pompage. Ouais, non, mais il s'en sort très bien. Hein, il s'en sort très bien. C'est une ville optimisée. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Edifice, copana. Ah, c'est un monument. C'est un monument. Je crois, non? Oh, c'est un immeuble. Je ne sais pas. Oui, c'est un monument compté comme un immeuble. Enfin, comme un logement, je veux dire. Je pense que c'est ça. Ouais, bon. Écoute, cette ville, Zuren, est tout simplement peut-être pas parfaite, mais elle est vraiment très bien. Parce que ici, c'est vraiment très pollué. Il va falloir que tu réduises un petit peu la pollution, hein. Voilà. Donc, très belle ville. On va ensuite, tac, s'empresser d'aller visiter une dernière ville, je pense 3 villes, ça suffit. Puis le reste, je le ferai peut-être une autre fois, puisque là, les autres villes n'ont pas l'air d'être très 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 évoluées, alors ce n'est pas vraiment la peine d'aller les... Enfin, je veux dire, c'est pas super... Enfin, je veux dire, le temps me manque, alors on va pas aller les visiter maintenant. Vous voyez, comme ça ne blesse personne. Alors, je viens d'aller voir Zuren. Ah bah tiens, ce sont les deux villes de Harry, ici. Qu'est-ce que nous avons? On va aller peut-être là-bas, à Paris, tiens. Lui qui s'appelle Paris. Pyongyang. Oula, pardon, excusez-moi. On va d'abord se rendre à Pyongyang. Pyongyang qui a une sonorité très asiatique, finalement. Ah, il a dû s'amuser, je pense. J'ai oublié de voir le pseudo, mais de toute façon, on va le voir juste après, c'est pas très grave. Voyons voir. Ah, Pyongyang. Mais en plus, je crois que ça existe, Pyongyang, ça me dit quelque chose. J'irai voir sur internet après. Pyongyang. Ou alors c'est complètement inventé. Mais, ou alors ça, ouais, ça ressemble à un autre nom qui existe vraiment. Bref, je n'en sais rien. Wouah! Déjà, le premier truc qui m'interpelle, c'est cette belle avenue courbe qui traverse toute la ville. Oula, ça fait un truc bizarre quand même à l'arrivée. Ça se coupe net. Oh, c'est vraiment. Mais non, mais vous avez vu qu'une avenue en plein milieu de la ville, ça coupe, ça fait. Ouais, non. Oula, excusez-moi, j'ai fait bouger le micro. Ça attire l'œil, voilà. C'est ce que je voulais dire. J'ai direct repéré la maison du maire.
Il a des buildings. Ouais, pareil, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de buildings, des grands immeubles, très colorés, c'est très beau. Bon, ici, il y a quelques petits bâtiments abandonnés, on n'a rien vu. Un lieu de culte moderne. Bon, et bien sûr, après, des commerces, des... Voilà, plein de beaux commerces. Ah, qu'est-ce que c'est ? Carbonite Production. Ah. Ouh. Oh, lui, il a vraiment de très beaux commerces. Bon, bien sûr, les stations d'eau. Et il a fait, bien sûr, l'Empire State Building et la tour de Chicago. La Willis Tower, ça c'est la tour qui est à Chicago, si je ne dis pas de conneries. Où il y a la Chicago et apparemment il y a beaucoup de vent. Vu que Chicago est positionné sur le lac Michigan et elle a tendance à un petit peu à bouger, je crois. J'ai vu ça dans un vieux jeu qui s'appelait Mon Super Atlas, un truc comme ça. Je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, très belle ville. 227 000 habitants, il gagne à peu près 1000 par heure. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Et il a que 17 000 Sims Flows. Ah oui. Et en termes de bonheur, ouais, en termes de bonheur, c'est nickel. Ta population est très heureuse. Je te félicite, mon cher Mr. Sly Games. Pyong Pyong. Ouais, très belle ville. Et regardez-moi ce point de vue, si c'est pas beau. Je crois même que le tram est actif. Ouais, le tram est actif, vous voyez. Là par contre, ouh, ça fait un croisement très chelou ça. Ouais, bon, le tram marche quand même, hein, on s'en fout, l'important c'est que ça fasse de l'effet. Ok, bah c'est parfait. Bah nous du coup, je pense que c'est bon, hein. Bon, il y a une ville à côté, ça a l'air d'être à peu près la même chose. On ira les voir dans un... Ouais, dans une autre vidéo, je ne sais pas ce que c'est que c'est... truc, c'est bugué. Bon, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va... Tac. Aller dans le menu principal, et on va démarrer une région solo. Je vais passer en mode solo, vous allez voir. Hop, et je vais jouer. J'avais déjà commencé une petite région solo comme ça il y a 3 semaines. C'était une semaine avant les vacances, j'avais commencé comme ça. J'avais pris une petite région à 3 villes, mais on va en créer une autre. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre une région à 16 villes. 16 villes. La gorge du titan, donc ça on va prendre autre chose. Il n'y a pas une telle la découverte. Attendez, on va voir s'il y a la boîte viridian. Ça c'est c'est Kozu finalement. Ou alors je peux prendre celle-là, une ville dans le désert. Oh, ça peut être énorme. 2 grands travaux, 14 villes. Ah, ce qui m'embête c'est qu'il n'y a que 2 grands travaux. Il m'en faudrait peut-être un petit peu plus. Ah, j'hésite. Attendez, la gorge du titan, il y en a 4. 2, delta de la découverte. On peut prendre delta de la découverte éventuellement. Ouais. Je pense que delta de la découverte, ça peut être sympa. Ou alors... Non, j'ai vraiment envie de changer un petit peu. Ah, j'ai envie de faire une ville dans le désert, ouais, ça peut être marrant. 2 grands travaux, bah ça suffira, on pourra faire un aéroport et puis autre chose, on verra. Justement, ça va nous obliger à faire des choix stratégiques. Donc, je pars sur cette ville, ça va changer un petit peu. Oula, j'ai cliqué 2 fois sur suivant, donc nommer la région, on va l'appeler... allez, un nom un petit peu original. Donc cette fois, j'ai pas Google Trad sous la main pour traduire le nom en javanais, malheureusement. En javanais. Qui est une langue qui n'existe pas, pardon. Enfin, qui ne veut rien dire, en fait. Qui a été complètement inventée. Alors, comment l'appeler ? Sunbelt. Ça peut être bien, ça, Sunbelt. Allez, Sunbelt. La ceinture soleil. Sunbelt. Ouais, c'est bien, j'aime. J'aime quand ça s'appelle Sunbelt. Allez, c'est parti. Donc, alors, on va d'abord étudier, bien sûr... tous les terrains. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord je vais faire une ville, enfin je vous l'ai sûrement pas dit, mais je vous le dis maintenant, on va faire une ville qui rassemble pour l'instant à peu près toutes les dimensions, c'est-à-dire commerce, industrie et donc logement. On va faire un petit peu de tout pour la première ville, histoire que on ait une base, un point de départ, comme ça on pourra développer d'autres villes juste après. Donc on va pas s'emmerder, on va prendre un truc, il faudrait quand même quelques matériaux. Donc là, charbon, pétrole, ouais, pétrole ça pourrait être pas mal directement. On a un peu d'eau, un peu de vent. Charbon et pétrole, ça m'a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici sinon? Ouais, là aussi on a pas mal de ressources. Il y a pas mal de relief aussi, et du relief sur ces villes.
Et justement, ça va changer. Des autres villes, bien sûr. Je parle. Ouais, là, il y a une rivière. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, là, il y a à peu près de tout. Il y a à peu près de tout, là. J'ai bien envie de commencer sur celle-là. Ouais. Vue du faucon. Il y a du charbon, il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a du vent. Eh ben c'est parti, c'est parfait. En avant mes amis. Et je déclare ouverte Sunbelt, la nouvelle région solo. Donc j'espère que les vidéos vous plairont. Je vais essayer d'augmenter un peu plus la fréquence des vidéos SimCity. Ben, là hier j'ai tourné du 1 h de Elle est Noire. Là c'est en train de plot, ça met juste 100 ans. La vidéo elle pèse 4,5 giga, c'est juste une horreur. Bref, c'est pour ça que là, cette deuxième semaine, niveau vidéo régularité, c'était un peu tendu. Mais bon, voilà, là, je vais essayer d'augmenter un peu les vidéos de SimCity. Ça devrait le faire, normalement. Hein. Bon, alors, voici cette map. Nous avons plein de petits cactus. Ils sont pas beaux, les cactus. Et bien sûr, un relief qui pourra faire très très bonne impression. Donc, je pense qu'on va mettre tout ce qui est... Enfin, on va étudier les cartes, bien sûr, avant. Mais je pense que l'industrie, on la mettra en bas. Ça dépend... Dans quelle direction le vent souffle? Carte du vent. Ok, bah c'est parfait. Le vent souffle dans cette direction. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, il y aura une autre ville juste à côté. Elle va tous bouffer. Bon, c'est pas très grave. Ici, parfait, d'accord. Donc, le vent, c'est parfait. Ensuite, on va regarder au niveau des matériaux, enfin des minerais. Donc, ah merde. Ah, ça, c'est con. Bon, finalement, je vais devoir faire l'industrie ici. Donc le charbon, il y a une grosse nappe ici. Et je te parie que juste pour m'emmerder, le pétrole, il va être en bas. C'est obligé. Qu'est-ce que je disais? Nous avons deux énormes nappes. Donc une grosse, grosse nappe déjà en contrebas et puis une un peu plus haut. Donc, bah écoutez, finalement, on va rassembler les deux. Logement et industrie, c'est pas grave. Ici, on va faire pétrole. Ici, on va faire pétrole-charbon et puis autour, habitation. Écoutez, puis là, industrie, un petit peu, ou ici, industrie. Non, on va faire l'industrie à l'entrée de la ville. Et puis, on fera habitation ici, habitation ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok, on va se lancer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque début de ville? Alors, attendez, on prend ça. Bon, ça va coûter très cher, je vais prendre un prêt. Les prêts, c'est pas très compliqué à rembourser. Bah pour l'instant, attendez, je vais essayer de coloniser. Je sais pas si je peux employer ce terme. Mais on va bien sûr aller dans cette direction. On va urbaniser cette partie. Donc je fais... je vais peut-être pas non plus faire... là, on va peut-être pas jouer non plus sur les arrondis. Quoique, on peut se faire plaisir. Mais le problème, c'est que c'est au niveau de la place que ça va... Ah, j'aimerais bien faire un truc. J'aimerais bien faire un truc. Qu'est-ce que ça... Ah, voilà, c'est parfait. Voilà. Ça ressemble à une mouette. Voilà, c'est beau, ça fait une grosse mouette. C'est magnifique. Bon, on va direct prendre un prêt. Ah oui, merde, il faut une... attendez. Ah oui, putain. Ah non, 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 d'accord, non, 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 non. Faut juste que je mette sur... Voilà, je peux emprunter. On va prendre cette obligation et on va prendre cette obligation. Donc deux obligations. Ah merde, j'avais pas pris celle-là. Accepté, voilà. 50 000 dans la popoche. Je ne perds que 346. Bon, vous voyez, le remboursement n'est pas très, très, très conséquent. Et on va continuer avec les routes. On va faire une forme vraiment très particulière. Non. Non, attendez. Enlève-moi ces guides. Vraiment une forme étrange là. Bon, là je perds la place, mais bon. Voilà.
On va faire quelque chose comme ça. Voilà, là, c'est parfait. C'est farpé, c'est farpé, c'est farpé. Donc, c'est parti. On va tout de suite commencer avec les premières zones d'habitation. On va faire un truc comme ça, machin. Tout ici, tout ici. Oula. Ah oui, mince, c'est encore... C'est vrai que c'est encore en... Je vais remettre les guides. C'est vrai que c'est encore en... En route courbe. Donc, pétrole. Ah, il est tout ici, là. Va falloir que je... Ouais. Je dirais que lancer l'exploitation de pétrole. D'abord, hop, j'installe les premiers Sims. Ils vont arriver, ils vont être tout contents. Ouais, on va faire ça pour l'instant. Je vais bien sûr... Attendez. Faut que je mette quand même des commerces, sinon ça va pas le faire. Donc, et là aussi. Là aussi, on va mettre plutôt de l'industrie dans cette zone-là. On va en profiter. Donc, je vais déjà commencer par mettre des routes. Putain, j'adore, je fais vraiment des formes... Ouais, j'aime beaucoup. Bah, je profite qu'il y ait des formes arrondies. Hein. Bon, là, c'est la perte de place... monstrueuse, non, voilà. J'ai réussi quand même un petit peu à optimiser. Hop, voilà. Donc, il y a de l'industrie, il y a du commerce, il y a du logement, il y a tout pour débuter une nouvelle ville. Oh yeah. Donc, on va se rendre dans, paf, dans la spécialisation de la ville, dans extraction. Alors, par contre, je suppose qu'évidemment, les puits de pétrole ne se trouvent pas dans cette catégorie, évidemment. Bah c'est la catégorie d'à côté, c'est forage et non extraction, veuillez m'excuser. Bon, ici par contre ça m'a fait un truc vraiment pas très beau. Hein. Attendez, on va casser ça. Ouais, ça m'a fait un truc laid. C'était très laid. Très très laid. Je vais bien sûr installer les premiers services publics. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ah, je trouve ça beau. Vous voyez, on a fait C'est une faucille. On va dire que c'est un outil. Ben, ça a une forme d'outil. Voilà, j'ai décidé ce serait un outil. Un outil. Répète après moi. Un outil. Pour ceux qui ont reconnu. Hop. Voilà, on va rajouter du people. Et on va bien sûr rajouter les premiers services publics avec un petit puits ici. On va bien sûr mettre l'électricité, l'énergie éolienne. On va foutre juste à l'entrée de la ville, c'est parfait. Tac, tac, tac. On va rajouter direct. Quoi ? Ah oui, merde, putain, faut que je fasse attention à mes dépenses. Je perds 500. On va attendre que la population s'installe, que les premières industries créent de la richesse. Et avoir quelques revenus. Bon. Ça devrait suffire normalement. Processus d'embauche. Ben là normalement t'as du... Là t'as du clampin normalement. Bon par contre je vais pas trop faire avec des routes de terre. J'amènerai une avenue ici. Parce que là je vais essayer d'optimiser mon réseau d'avenues. Pour l'instant ça va. Hein. J'ai beaucoup d'industrie. Vous voyez déjà je commence déjà à gagner de l'argent. Je gagne 113. J'ai 2800 dans mon coffre. Non, comme quoi ? Comme quoi ? Comme quoi ? Hein, c'est quand le chat est repu qu'il trouve que le cul de la souris pue. Ben oui, forcément. J'adore sortir cette phrase. Même si elle n'est pas du tout appropriée à la situation. Non, mais voyez, au début, c'est un peu dur de galérer. Parce que même si vous faites deux emprunts à 25 000 simflouz, bien, vous arriverez quand même à les rembourser. Puisque si vous construisez des zones industrielles, du commerce, bah, ça va générer forcément pas mal de richesses et vous remonterez la barre, vous voyez, je gagne déjà plus 900 par heure. Je vais pouvoir rembourser mes prêts. Mes prêts. Ici, ça s'installe pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ne construisiez-vous pas un hôtel de ville? Cela vous donnera accès à des services tels que les pompiers. Oui, tout à fait, je vais construire l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville qui sera... faut pas que je... Attendez. On va pas faire le con, la nappe de pétrole se trouve ici, là ça va être très pollué parce que là ça va forer à mort. Mais écoutez, la mairie on va la foutre ici, c'est parfait. Donc la mairie est placée. La mairie est placée, c'est formidable. Formidable.
Vue du Faucon. Eh bien, écoutez, proposez un nom dans les commentaires si vous avez envie. Pour l'instant, on va laisser Vue du Faucon. C'est pas mal, je trouve, comme nom. Ils ont donné des noms assez marrants, franchement, je trouve. Alors, autant les laisser Vue du Faucon. Là, moi, j'aime bien. Vue du Faucon. Vue du Faucon, ça gère. Je vais peut-être refaire une route au milieu, histoire de... Ouais, parce que là, je perds de l'espace. Je perds beaucoup d'espace. On va optimiser tout ça, voilà. Ok, donc, pour l'instant, le RCI est... Bon, ça va, il est pas trop, pas très élevé. Là, tout petit peu de demande de logement, ça, c'est normal. Par contre, ici, je devrais sûrement casser ça pour... Ouais, on verra ça. J'ai un petit peu de demande de commerce. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de commerce. Ici, on fera une avenue peut-être comme ça. Ah, tiens, on va la faire maintenant. Ah, flûte. Ah, je peux faire un truc comme ça aussi. Ah ouais, j'aime, mais j'ai pas assez d'argent. Par contre, va falloir que je fasse attention que j'ai de la place derrière pour mettre les ministères. Hein. Bon, on regardera ça de toute façon. C'est pas trop un souci. On va mettre du commerce ici. Bon, alors, on va aller dans spécialisation. Ah, voilà, j'ai débloqué les premiers puits de pétrole. Ça coûte 37 500. Ah, c'est cher, mine de rien, c'est très cher. Bon, je peux peut-être développer alors un petit peu plus l'industrie, histoire de créer de la richesse et de pouvoir peut-être vendre des marchandises. Créer un entrepôt commercial, me faire mes premiers Sims Flues, mes premières pépettes. Ah, oui, les eaux usées, effectivement. Ah, je n'avais pas pensé aux eaux usées. Alors, les eaux usées... Où est-ce qu'on va foutre ça? Ici, je peux urbaniser. Hein. Faut pas que j'oublie. Bon, on en profitera pour foutre de l'industrie ici. On va développer de l'industrie tout ici. Où est-ce que je vais foutre ça, tiens? Ici, non? Attendez, regardez ce qu'on va faire. Bon, je suis désolé, je vais devoir casser. Je suis désolé, j'ai cassé. Je vais faire des trucs vraiment, vraiment étranges. Hein. Voilà, j'aime le rond. Ça, on va le mettre là. Voilà. Développement des eaux usées. Et hop. Tac, on va mettre de l'industrie tout ici. Ouais, c'est parfait. Et ici aussi, bien sûr, à l'intérieur. Hop, voilà. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt optimisé. J'ai les premiers services publics. Ils me demandent un commissariat pour l'instant. Oui. Oui et non. Moi, je vais plutôt m'occuper du forage, même si j'ai pas vraiment les moyens. Eh ben, écoutez. Hop, on va se prendre un autre prêt. Tu acceptes? Voilà, j'ai pris un troisième prêt. Donc, c'est mon troisième prêt à 25 000. Je suis à 35... Ah, voilà. Mais j'ai pile les fonds nécessaires. Forage, ah non, il me faut encore 400 simflouz, on va attendre l'heure et puis on va direct commencer à forer. Ah oui, c'est vrai par contre que j'ai pas bien optimisé ce truc. Je l'ai pas bien optimisé du tout. Comment je vais faire ça? Parce que là, du coup, on va être emmerdé ici. Ah, par contre, je vais peut-être pouvoir le placer. Ouais. Non, écoutez, je vais pas me faire chier. Je vais partir de l'extérieur ou alors je le mets là. Là, c'est bien, ouais. Là, je vais le mettre ici. Ouais, c'est parfait. Hop, 300 barils. Donc voilà, mon premier forage de pétrole. Ouh, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu du tout, par contre, aux entreprises. Ça leur a fait très plaisir. Donc, nous avons... un puits de pétrole fermé pour processus d'embauche. Il peut produire au maximum 2000 barils par jour. Intéressant. Et il peut raffiner pour transformer en mazout et en plastique. Voilà donc, première chaîne de production. Donc au début, pétrole. Et puis après, on peut bien sûr partir sur d'autres types de ressources qui vaudront...
je sais plus comment on dit, tiens. Qui vaudront plus cher. Je crois que c'est ça. Hein. Qui valeront plus cher. Je sais plus comment on dit, merde. Bon, qui auront une valeur plus élevée plus tard, si vous voulez. On arrivera à se faire beaucoup plus d'argent sur le marché mondial. Non, c'est équivalent. Oh là 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 là, ça va plus, moi. Faut que je revoie ma grammaire. Ça va plus. On va voir déjà si on peut augmenter la prod. Déjà, on va mettre le petit panneau qui se respecte. Est-ce que je... Oui, bien sûr, je peux mettre un puits. On va faire ça directement. Passer Team Flouz. Ok. Voilà. Moi, je veux direct que ça rentre. Et bien sûr, on va installer un... non, c'est pas ici. Ah, c'est ici. On va, bien sûr, on va économiser un petit peu, ça coûte que 10 000. Je gagne 1400 par heure. On va mettre un entrepôt commercial pour, bien sûr, exporter les marchandises. Faut que je fasse attention au niveau électricité. Non, je suis bon. Enfin, quand même. Ah, j'ai pas assez de Team Flouz, hein, décidément. Ouais, 5 000. J'ai peut-être fait un petit peu le foufou, là. On va essayer de d'économiser un petit peu. Niveau haut, ici, Loukoula Flow. Eh, il va falloir des... Non, ils vont encore me saouler avec le docteur Vu. Je m'en fous. Il me faut... Ben, je sais plus ce que je disais. Oui, il me faut un service de police, de santé. Bon, pour l'instant, c'est la santé. Oh, c'est quoi, ça? Un terrain vague. C'est marrant, il y a des cactus. Ah, c'est vraiment cool, je trouve. C'est vraiment sympa. Ben, on peut essayer déjà d'augmenter un petit peu la qualité du terrain. Ah, ils veulent des logements. Ah, effectivement. Attends, ici, déjà... Mais ici ça va être une zone vraiment pétrole hein. Ça va pas être super génial de vivre ici. Mais bon, je suis désolé. Ah ben voilà, ils veulent un petit peu d'habitat riche. Donc on va rajouter quelques petits parcs. Si ça gêne personne. Une petite place. Voilà. Ça va augmenter un petit peu la valeur des terrains. Tiens, un petit skatepark. Ah, sauf que les skateparks ne font... J'ai pas l'impression... Ah bah voilà, si ça fait évoluer, on va avoir nos premiers Sims aisés. Déjà ça va nous rapporter plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une caserne de pompiers. Ça coûte trop cher pour l'instant. Je me suis ruiné dans le pétrole, j'ai fait mon premier puits de forage. J'ai 1250 barils, il produit 1300 barils par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est... Non, c'est pas si énorme que ça. En fait, c'est pas si énorme que ça. J'étais là, ouais, c'est génial et tout. Bon, je vais arriver aux 1000 habitants. Il faut juste que je construise l'entrepôt de commercial, là. C'est obligatoire. Et on est déjà à 30 minutes. Bon, allez, on va faire... je vais vous faire un épisode un petit peu plus long. Rien que pour vous faire plaisir, puis j'ai envie de jouer. Donc, l'entrepôt commercial. Il faut que je laisse de la place pour faire la route. On va le faire. Il est parfait ici. Fermé pour processus d'embauche. Oh, il y a déjà des... Oh là là, des caisses de marchandises. Beaucoup de caisses de marchandises. Ça va attirer les commerces. Notre ville sera vraiment... non, pourquoi je... Ah. Ah bah tiens, voilà, c'est parfait. Je vais rajouter le petit panneau de sang. Nous, ce qu'on veut, c'est du pétrole. On veut stocker la masse de pétrole. Ah, il faut que j'attende un tout petit peu. Allez, fais... Fais-moi passer 7 heures, s'il te plaît, j'ai besoin de fric. Allez, on y arrive. Oui, mais nuit, à 1h du mat, je pourrais. Voilà. Nous avons déjà nos deux premiers trucs. Et puis le reste, pour l'instant, ça va. Je produis pas encore assez. Et on va bien sûr exporter du pétrole pour le moment, puisque j'en ai pas besoin. Il nous faut de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Déjà des bâtiments abandonnés? Ah oui, effectivement, ça brûle. J'ai pas de pompiers, j'ai pas de service de pompiers, mais les pompiers ça coûte cher. Eh oui. 20 000. Ah ouais, 20 000. Bon, du coup, je suis désolé, mais ta maison sera rayée de la carte. J'ai pas encore 1000 habitants. J'ai pas encore 1000 habitants. Bah écoutez. Hop, on va rajouter du people ici. Ah voilà, j'ai 20 000, on va directement mettre à santé ou incendie. Non, d'abord santé. D'abord santé parce qu'incendie à la limite ça pète les maisons et puis voilà. Bah alors par contre, au niveau place ça va être chaud aussi. Hein. On va le mettre là puisqu'il y aura de la place derrière. Bon là c'est vrai que j'optimise pas très bien.
J'optimise pas très bien, c'est pas très grave. Donc 6 morts par jour, c'est sûr, sur une ville de 900 habitants. Bah écoutez, ça va vite. Ah, j'espère que le pétrole, ça va rapporter normalement. Ah bah oui, c'est grâce à ça que j'ai pu acheter ma... Effectivement. Ma première clinique, puits de pétrole, 800 barils. Ouais, ça produit vite, hein, 1800 barils par jour. Là, je peux rajouter un quatrième puits. Enfin, un quatrième, comment ça s'appelle? Ah, je le savais. Je savais. Putain, comment ça s'appelle, hein? C'est pas un chevalet, c'est un... Enfin, si, je crois que c'est un chevalet, mais non, c'est un autre nom. C'est féminin en plus, je crois, c'est... Oh là là, putain, ça m'énerve, j'oublie. Putain, ça m'énerve. On va mettre... Ah, j'ai pas assez de Simfoos. Une, ou un. Bref, on s'en fout, en tout cas, ça extrait du pétrole. Et ici, ça brûle encore, effectivement. Nous avons de jolies petites maisons, ça fait marrant sur un sol désertique. Je devrais peut-être changer de filtre, attendez. Voyons voir. Excusez-moi. Ah, vous voyez, là, je suis obligé de sauvegarder ma partie, bien sûr, vu que je suis en solo. On va plutôt aller dans paramètres. C'est où? Pourquoi je suis en 50 Hz? Je me suis mis en 50 Hz. Ah merde, d'accord. Je vais pas le faire maintenant parce que... Fais ma quête, ouais. Je vais le mettre. Vif, qu'est-ce qu'on a? Ton sépia. Non, ton sépia, c'est peut-être un petit peu abusé. Ton froid. Mais on va voir ce que ça donne. Wow, oh, j'adore l'effet. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on perd un petit peu les couleurs du désert, mais... Oh ouais, on dirait qu'il y a une espèce de brume. Vous savez, l'effet dû à la chaleur. Oh, je trouve ça génial. On va laisser ça pour l'instant, je trouve ça énorme. En plus, ça me nique moins les yeux. Ah, c'est super. J'adore. On va construire la caserne de pompiers. Ici. Qu'on va tout de suite éditer. Donc, le petit drapeau qui fait tout. Le petit panneau qui fait tout. La petite cloche. Ah merde, je peux pas mettre la cloche. À la limite, je m'en fous du panneau, je veux mettre la cloche. Voilà. La cloche, parce que la cloche a vraiment d'intérêt, contrairement à ce panneau à la con. Et j'ai pas assez de Simfoos. Bon, voilà. Déjà, j'ai une caserne de pompiers. En termes de service public, clinique, pompiers. Le magnifique puits de pétrole, ici, la centrale. D'ailleurs, ça me ra... Oula, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais les marchandises, normalement, ouais, les commerces sont censés consommer ces marchandises. Bon. On va essayer d'améliorer peut-être un petit peu la qualité des terrains. Voilà, parce qu'ici, ils sont pas très contents, évidemment. Naturel avec petit parc. Voilà. Ici, on a amélioré. Comme ça, ça va. Ça va se développer. Je devrais peut-être d'ailleurs faire une route ici pour marquer l'arrêt peut-être de la zone industrielle. Non, je sais pas. Enfin, ici, ça va être. Ça va pomper. Mais alors, qu'est-ce que ça va faire de la thune? Oh là 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 là. Ça, je peux vous le dire. Qu'est-ce que tu me veux, Jungi? Mes amis et moi, on aimerait organiser. Ah oui, fais-le. Si ça peut me rapporter 50 000, ce serait parfait. Dans les coffres, là, je le sentirais bien. Bon, on va s'arrêter dans 2 minutes. Ça fera 40 minutes de vidéo. C'est largement satisfaisant. Oh, déjà, je sens qu'on va s'éclater. Ça me donne bien envie de jouer. Là, j'ai hâte. Je vais m'investir dans cette série. Vraiment, pour qu'elle vous... pour qu'elle soit la plus intéressante possible pour vous à regarder. Et puis, voilà, pour que je me fasse plaisir également. Et que je pense que ça sera une des séries principales sur ma chaîne avec Elle est Noire et puis Civilization. Et puis je vais bientôt entamer, je vais vous dire ça, une série sur un RPG. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo justement pour vous montrer, pour proposer un jeu. J'espère qu'il vous plaira, mais ça faisait longtemps que j'ai envie de le faire et puis je l'ai installé, mais je n'y joue pas, donc c'est vrai que c'est assez problématique. Le pétrole brut, coule à flot et on ne sait pas quoi en faire. Nous, on est des foreurs, on n'y connaît rien en business.
Si on avait un siège pétrole, on pourrait peut-être embaucher des types en costard et vendre du pétrole brut au juste prix. Ah ouais! Alors là, ça commence à devenir intéressant. Va falloir construire le siège pétrole. Extrayer 9600 barils de pétrole brut en une journée. Pour l'instant, je fais quasiment 3000. Je vais rajouter un petit puits. Est-ce que j'ai assez? Pas un puits, hein. Bah si, c'est ça, un chevalet de pompage. Bah voilà, j'avais raison, mais je crois que c'est un autre nom. En anglais, c'est un autre nom, je crois. Chevalet de pompage, non mais j'avais raison, un chevalet. Mais en plus, j'avais pas lu, hein, je vous jure. Hop, voilà, là ça va augmenter la production à une vitesse rapide. On va faire un chemin comme ça. Ici, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Alors là, ça va... Là, ça va pomper, hein. Ah, ça va pomper, les amis, là. Ouh là là là, ça va pomper. Déjà, on passe la barre de 3000 barils par jour. Putain, c'est chaud, j'ai envie de continuer, mais on arrive à 42. Lol, coïncidence, la maison à côté de la caserne de pompiers prend feu. Ah, mais c'est vrai qu'il y a leur incendie. J'espère que je vais le gagner. Bon, on va attendre la fin de ce défi. On va attendre la fin de ce défi. Est-ce que je peux finir cette tour? Poli, j'ai pas. Et il demande encore des logements. Il va falloir vraiment que je me développe ici, là. Il faut que je ramène des habitants. J'en ai pas assez ici. J'en ai pas assez. Écoutez. En attendant que le pétrole s'extrait, je vais ramener le logement. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc. L'avenue. Ah voilà, j'ai fait un joli truc. Bon, ça fait une forme assez étrange, mais j'aime bien comment j'ai tourné le truc. Ça, ouais, ça épouse. Oh, bah je l'ai loupé, bah j'aurais pas mis 50 000, il y a eu trop d'incendies. Putain, mais sérieux, regardez-moi ça, ils ont pas de chance les types, ça fait deux fois que leur maison elle crame. Ah, je suis désolé les gars. Vous avez vu, la route épouse la forme de la falaise. Je trouve ça vraiment classe. J'arrive à faire des formes vraiment très étranges. Ah, il y a des bâtiments abandonnés ici. Ah, mais il est en feu. D'accord, mais en fait j'ai des petits problèmes d'incendie. Je vais éventuellement rajouter. J'ai pas assez, hein, ça vaut vraiment très cher, hein. 15 000, ouais, j'ai pas assez. Est-ce que je pourrais pas avoir un petit arrivage là de petite vente de pétrole, non? Non, même pas les enfants. Voilà. Ça a ruiné mes industries là. C'est un peu ruiné mes industries, c'est vrai que... Et mes logements également. Hein. Personne n'a été épargné. Mais heureusement, ça se reconstruit. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. La vidéo va encore peser 10 000 gigas. Pour vous l'upload, ça va être une catastrophe. Ça va mettre toute la journée. Oh là là, et comme je suis en vacances, je me lève tous les jours à midi. Alors forcément, ça arrive le soir à une heure, quoi. Je suis désolé. Ah, vraiment, je suis désolé. Bon, bah du coup... Ici, on va peut-être ajouter... Ah bah attends. Hop, voilà, je vais... Non, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. C'est bon, comme ça j'aurai plus de camions. Donc voilà, sur ce, si vous avez apprécié cet épisode, si vous êtes enthousiaste comme moi, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, à vous abonner, puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, et portez-vous bien !